Alors, mon plan culte, c'est Final Fantasy VII. Parce que le jeu est super, enfin, il était vraiment super bien fait à l'époque. Il y avait des cinématiques qui étaient super chouettes. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il procurait vraiment des émotions. Moi, il m'a carrément fait pleurer, ce jeu, à un moment donné, puisqu'on... Je spoil pour ceux qui n'y ont jamais joué, mais à un moment donné, on perd un des personnages principaux avec qui on est en train de jouer depuis un moment, un personnage dont on fait monter le niveau, avec qui on gagne de nouvelles armes. Enfin, pour peu que le joueur se soit pris au piège de toute sa troupe, il s'est dit « Tiens, c'est ce personnage-là que je vais essayer de booster le plus. » Mais à un moment donné, il a bien dans le baba parce qu'elle meurt. Et du coup, ça c'était une grosse tarte. Et puis l'autre point fort de ce jeu, le truc que j'ai trouvé indétrônable, c'était le système de matéria qui permettait de combiner en fait diverses attaques. Il y avait tout un tas de trucs qui étaient cool comme ça, quoi. C'était le système d'invocation, le système de matéria, le fait que même quand on avait fini le jeu, on pouvait continuer de se balader sur la map et qu'il y avait trois espèces de monstres complètement imbattables qui étaient quand même là pour continuer de donner du challenge aux joueurs. Il y avait énormément de choses à collecter, à farmer. Il y avait cet univers aussi de casino avec les jeux vidéo dedans, carrément des jeux dans le jeu. Enfin, c'était une espèce de... Enfin, c'était un trop-plein de tout. C'était comme d'aller manger chez Bocuse, quoi. Tu te régales de bout en bout, mais à la fin, t'as envie de vomir de plaisir, quoi. Voilà mon plan culte Final Fantasy VII.